À 6 ans. Je vous remets tous les prix d'excellence. Il avait hérité de toutes les qualités. Il aura le dos de tous les vices. Je leur répétais tous les jours, méfiez-vous des femmes, il n'y a que votre maman qui compte, les autres c'est toutes des putanes. Mon petit Marco, il m'a écouté, lui, il ne voit que le bien. Mais l'autre, Aldo, il ne voit que le mal. Mon Marco a bien réussi, lui. Il est curé à la paroisse de Sant'Eusebio. Ma l'autre, Aldo, se voit. Il continue de contaminer le monde de tous ses vices. La mode, elle change avec le temps. Il y a eu des gros et des plus grands. Mais après moi, quelle déception. On ne fera plus de comparaison. Même les martiens, ça me fait pas peur. Car après moi, plus beau que moi, on meurt. Aucun de vous ne fait pas peur. Voilà pourquoi plus beau que moi. Plus bas, voilà, ça c'est bien, ça c'est très bien. Toi, tu me dirais un chameau, hein. Pascal, viens ici. Viens. Toi aussi les moustaches, hein? J'avais dit que j'aime pas les moustaches. Tu les coupes. Allez, plus vite, mes enfants, ça c'est la classe. Vous allez être heureux quand vous sortirez d'ici. Viens, Pépé. Oui, mon maître. Bon, je te laisse tomber pour boiter vieille, va. Vas-y. Il faut que tu apprends. Je suis là-bas, à quoi faire, moi? Oui, plus bas, toi. Toi, tu y es, toi. Et toi, demain, tu viens avec la perruque, hein? 1, 2, 3. Allez, tout le monde dans les rangs. Allez. Très bien. Gardez-vous. Voilà. C'était moyen. Demain, pas de moustache, hein? Quoi? Oh, mauvais. Allez, 10 francs. Pépé, de toi, je veux rien. Oh, je veux préparer 5 francs. C'était pas la peine. Bon, toi aussi, tu sais, mes enfants, c'était 20 francs, hein? Toi, tu fais pédé, mes enfants. T'as la gueule de pédé. Qu'est-ce que tu veux faire? Bon, donnez-moi 20 francs, va. Je sais pas. Bon, alors donnez-moi les cigarettes. Toi, t'as pas de perruque, mais ça fait 20 francs quand même. Bon, mes enfants, est-ce que vous croyez que je reste ici 10 ans, hein, pour vous montrer la classe, pour draguer les filles, hein? Il faut que vous appreniez bien votre travail. D'abord, il faut sourire. Souriez. Demande à le dentiste, hein? Et après, regardez bien. C'est ça. Sourire. Chante. Voilà. C'est ça, t'as vu, hein? Et les filles vont à tomber. Merde! Qui c'est qui l'a jeté de la peau de banane par terre, hein? Un peu vous rigolez ou quoi? Aldo! Oui, chef. Je peux essayer moi aussi? Mais bien sûr, chef. Tiens-moi ça me gêne, hein? Oui, chef. Regarde. Allez, très bien, chef, très bien. C'est bon, avec le sourire, bravo, chef. Avec le sourire, très bien, chef. Venez vous aussi essayer la classe. Mais c'est un danger public. Libérez-le. Oh, mais j'en peux plus. Je peux plus le supporter. Libérez-le. Jetez-le en liberté conditionnelle. Mais messieurs les directeurs, on rigolait. Si on ne peut pas rigoler avec des amis, avec qui on peut rigoler? Jetez-moi le. Et vous là, tout le monde, chacun chez soi. Oh, méchant. Sortez, monsieur. Oui, je parle. Parfait. Parfait.
Il est belle, il est belle, il est belle. Il est con, il est con, il est con. Il est belle, hein? Ça, c'est 40-44 italien. Je connais, moi. Ah, elle est lourde, celle-là. Tiens. Où je l'ai mis, moi? Ah, là, voilà. Non, mais ça va pas. Vous foutez de ma gueule, non? Mais, et vous me demandez si je pars. Je pars, non? Connard. Mais c'est pas mon vélo, ça. Oh, non. Oh, non. Mais regardez-moi ça. Mais c'est pas possible, ça. Et moi, pour un esquimau, me met en prison. Les bons dieux, il n'a jamais eu de version pour les pêcheurs. Il y a beaucoup de pêcheurs sur cette terre. Pourtant, le Seigneur a dit et redit chaque année, aimez-vous les uns et les autres. Et il a toujours tendu la joue quand il recevait un gifle. Ave, mes chers frères, nous reprendrons l'office de dimanche prochain. Quoi. Ave, 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 ave. Aïe, 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 aïe. Chaque fois que je te vois, c'est la catastrophe. Alors, tu t'évadais? Mais qu'évadais? Je suis libéré pour bon conduit. Ces salauds m'ont lâché si vite que je me pends en sous. La pends sous, comme d'habitude. Bien, viens. Oh non, 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 non. Non, non, Marco. Je veux pas d'argent de poche. Je veux du travail. Il faut que tu m'aides. Je veux travailler, travailler, travailler. Je veux du travail. Ah, ça, c'est nouveau, ça. Ça, c'est... Bon. Moi, j'ai mes confessions, hein? Tu m'attends ici, Aldo. Je reviens. Et prie un peu. Prie un peu. Oh, les paupières. Nom de Père, de Fils, de Saint-Esprit. La douleur est trop forte, mon père. Un homme si jeune, 33 ans. L'âge de notre Seigneur. Son téléphone, son téléphone. Et votre numéro de téléphone? Bagatelle 2236. Merci. Non, mais tu m'en fous, c'est pas ça. Mais qu'est-ce que c'est? Vous me ferez quatre pâtés de trois verres. 22, 36. Voilà. Aldo, va m'attendre à l'hôtel et prie. Oui, mon père. Oui, mon frère. Monsieur le sénateur, je vous prie. Et puisque le Seigneur vous a fait sénateur, vous m'embaucherez un chômeur comme pénitence. J'en connais un. Bien, mon père. Je reviens. Mon fils, voici mon frère. Aldo, j'ai de trouver du travail. Oh, c'était pas pressé. Je disais ça... Que... C'est ça la voiture? Ben oui. Oh là là! Alors là, j'adore. À moi, cette voiture grande comme ça... Vous m'ouvrez pas? Pourquoi il ne s'ouvre pas la porte? Ah, c'est pourquoi je suis le chauffeur. Excusez-moi, monsieur le sénateur. Excusez-moi. Chérie, c'est notre nouveau chauffeur, Aldo. C'est votre femme? Bravo, c'est 40. Super. Allez. Et alors? Non, oui, excusez-moi. Je suis distrait aujourd'hui. Je ne sais plus ce que je fais là. Il est mal réglé, cet rétroviseur. Voilà. Déposez-moi présentement à mon domicile, 90 avenue Foch. Après, vous accompagnerez madame dans les magasins. Madame et nous? Voilà, bravo. Ça, c'est la classe. Très chic. Et moi, je suis bien? Très bien. Très bien. Sur ma note, comme d'habitude. Au revoir, madame. Très bonjour. Bien. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Ah! Sur sa note, comme d'habitude.
Chaque chose a son temps. Plus beau que moi, tu meurs, toi, hein? Hein? Que t'es bon, toi? C'était pour m'entraîner un peu. Ça fait 6 mois, hein? Il va être bon. Aldo, vous avez vu l'heure? Bonjour, mes chers sénateurs. J'espère que vous avez passé une bonne nuit. Il fait beau ce matin. Démarrez, je suis pressé. Mais doucement, voyons! Oh, il faudrait savoir, hein? Collègue! Eh, dis donc, comme il y a les vôtres? Sinistre, hein? Ils sont tous pareils, ces mecs, blancs ou noirs. Dis donc, pour la sécurité sociale, j'ai pas bien compris, moi. Comment on fait? Chômage, allocation, les petits bambinos, les suppositoires. Oh, vous pouvez répondre quand même, hein? Vous conduisez pas le président de la République? Non, c'est quand même l'ambassadeur de Dumba Dumba. De Dumba Dumba. Et ça, c'est de la merde? Dumba Dumba. Stop! Arrêtez! Descendez de la voiture! Ça suffit maintenant! Je prends le volant! Vous garderez la voiture ce soir pour vous entraîner! Oh, doucement! Pourquoi vous reprendre ici demain matin quand on pourrait ne pas s'écouter? Vous êtes sûr que vous allez passer la nuit chez votre mère malade? Oui, je comprends. C'est très important, la maman. Comme par hasard. Merci. Les voilà. Votre prétexte. Et c'est à quel étage votre septième ciel? T'en mets une autre si t'insistes, t'entends? Je sors quand je veux avec qui je veux. Oui. C'est pas parce que je souris à des charmantes femmes que t'as le droit de me faire une scène. Jalouse. Oui, t'es jalouse. Tu vas voir, t'entends? Et je les emmène tout de suite. Si vous voulez bien. Mais verstehe nicht, was ich sage. Spanier, j'adore la Spagna, Flamengo, le muchacho, anda muchacho. Nein, nur Deauville. Deauville, ay goy, Deauville. Sí, prego, prego. Ma che buono. Je la bagnole jusqu'à demain, la gravissa commence. Je sors sur la plus belle, et après je prends l'autre. Yeah, et voilà. Ah, pardon. Vous croyez pas que je vous emmène jusqu'à Deauville pour la bagatelle, non? Hein? Yeah. Moi, je m'appelle Aldo. Hein? Moi, Ingrid. Ingrid. Moi, Oula. Oula, la, la, la. Allez. Ingrid et Oula, Versailles, ça suffira. Your femme, very beautiful. Oh. No, my femme, my maîtresse. It's a crush, it's a crush, it's a crush. Her husband. Votre mari? Oui. Salgue, j'aime pas. Yeah, oui. Salgue. Quoi? Château. Ah oui, oui, château de Deauville. Marie-Antoinette de Deauville. Et voilà, best hôtel Deauville, tout confort. Bon. Prego. On est à Deauville. Il n'y a qu'une chambre de libre. Hein? Ah. Il y a plein de chambres de libre. Vous savez Versailles en ce moment.
Gymnastique. Oh, désolé, il n'y a plus qu'une chambre de libre. Vous savez, Deauville a cette saison. Oh, non! Oh, one room libre, une chambre pour tous les trois? Oh, quelle horreur! Quelle horreur! Oh. Oh, oh, wonderful room, very nice chambre. Deauville, la classe, good papier. Oh là là! La mère? Oui, la merde. Oh, only nice. One leaf. Ah, si, only one leaf, mais no problem, no problem, my gentleman. Very nice, mec. Moi, dormir per terre. Non dormir. Manger, miam, miam. Oui, nous. Hein? Manger. Encore manger? Hein? Vous devez manger? Si. Oui, encore oui, manger. Si. Putain de tarasse, oui, ok. Oui, yes, all right, yes, all right. Ah. Manger, I change the night. Manger, mais après, doudou, hein? Après, on rigole plus, hein, pourquoi? Ça suffit maintenant. Bon, allez. Good restaurant, les routiers, les radis, les crèmes caramel, les crêpes sujettes. C'était bon, hein? Eh, Cosilo. Oh, non, non. Casino, oui. Baccarat, roulette. Casino. Allez, on y va au casino. Qu'est-ce que c'est joli, ce casino. Oh là là. Qu'est-ce que je vais leur raconter maintenant, moi? Hé, oh, ouvrez, ouvrez. Oh, casino fermé quand à Deauville il pleut. Oh, it's closed. Oh, oh, oh. Mais pourquoi? Ça fait rien. Demain, casino, plage, plige, tu sais, champagne, danse. Ok, maintenant à dodo, hein? What is this? What? Yeah, what? Ça, c'est pour porter l'argent à la vêtue quand t'as gagné beaucoup, mais c'est pas ce soir. Allez, non, tu vas, allez, à dodo, à dodo. Allez, come on, come on. Ça, c'est bien. On va dodo. On va coucher. Mais c'est la nostra soirée. Police, service, surveillance du territoire, mon pote. Par ici. Oh! Oh, mais je te reconnais, toi. Je t'ai déjà arrêté pour fausse monnaie. Eh, tu te rappelles pas? Eh, t'as tes billets que tu avais marqués, d'un côté il y avait 100 livres, de l'autre côté il y avait 100 francs. Alors, comme ça, tu t'es encore évadé? Mais qu'évadé, je suis liberté, monsieur le commissaire. Non, j'ai mis commissaire inspecteur. Inspecteur Tétard, s'il vous plaît, commençons pas. Oui. D'ailleurs, si je suis pas passé commissaire, oui, c'est ta faute à toi. Ah, oui? Parce que tu t'étais évadé encore une fois. Et maintenant que je te tiens, oui, je te lâche plus. Mais je vous dis que je suis pas évadé, je suis en liberté pour bonne conduite. What happened? Nothing, darling, nothing. Is my friend quoi? De prison. Liberté conditionnelle. Aïe, 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 mais quel malheur, mais quel malheur. Bon. Alors écoute-moi, oui, tu me payes un verre parce que pour me remonter, n'est-ce pas? Ah oui. Bon, excusez-moi une minute, oui, monsieur le commissaire. Oui. Non, monsieur l'inspecteur, bon, commençons. Je viens tout de suite. Voilà. Hein, je viens. Dis. Mais monsieur l'inspecteur. Inspecteur, oui. Pas ce soir, j'ai les filles là qui m'attendent. Mais justement, oui, ces filles, oui, ces filles, ça ressemble beaucoup à du proxénétisme étranger. Et alors tu veux que je te la fasse sauter, ta conditionnelle, con? Non. Non. Mais alors? Alors tu me payes à boire, tout okay de suite, s'il vous plaît. Allez. Merde, merde. Regardez-moi ces bonnes femmes. Oh, écoutez, non. The beach, please. Qu'est-ce qu'on voit? Beach, please. Beach, please. The beach. Oh, tu te rends compte, mais quel homme? On n'a jamais vu ça? Juste pareil. Bientôt, on se promener à poil. C'est une honte. Oh, beach, beach. The beach, mais c'est à 200 km, c'est par là. D'accord. Oui, je vous en prie. The beach, please. Beach, mais c'est un scandale. C'est un scandale. Oui, bon, c'est les rayons, les premiers rayons du soleil qui sont ouais, les plus bah durs. Moi, je vais téléphoner à la police. Hein. Excusez-moi, les filles, je suis un peu en retard. J'ai passé toute la nuit avec mon ami. Oh, oh, Ingrid, oh, je suis. Oh là, ah voilà, viens à côté, oh là, viens à côté, je dispute. Allô, commissaire, inspecteur Tétard? Quoi? Ingrid, où est?
Oui, inspecteur, j'arrive tout de suite. Ton hold-up, ça n'a pas l'air d'être encore pour aujourd'hui. Vous énervez pas, chef. On indique qu'il est formel. Formel? Ça fait 8 jours qu'on poireaute devant cette banque. Ah, faut persévérer à un rêve dans notre métier. Messieurs, les commissariats, s'il vous plaît. Comment tu sais qu'on est des flics, qu'on l'a? Votre tête, chef. Ah, vous voyez? Alors, les commissariats? Ah, c'est très compliqué. Non, c'est très, très simple. Très simple. Vous allez toujours tout droit. Toujours tout droit. Oui. À gauche. Elle est en sens interdit. Je m'en fous. Hein? Non, je disais, je m'en fous, mais c'est par là et à gauche. Non. Vous ne pouvez pas vous tromper, il y a une statue. Oui. Non, il n'y a plus de statue. Il n'y a plus la statue? Alors, il n'y a plus la statue. Et bon, alors? Mais oui, mais s'il n'y a plus la statue, il y a le magasin où on vend des fruits exotiques. Là. Ah non, il n'y a plus de magasin non plus. Non plus, il n'y est pas. Juste devant la pharmacie. Et c'est qu'ils ont mis la statue. La statue, ils l'ont fait fondre. C'était une statue de... D'ailleurs, c'est vous qui compliquez tout. Écoutez, vous prenez tout droit. C'est pas compliqué. Derrière. Face à la pharmacie. Alors, c'est derrière la pharmacie. Monsieur, stop. Les commissariats, s'il vous plaît. Oui, après l'épicier tunisien. Oui, alors, trois fois à droite, une fois à gauche. Vous avez compris? Non. Alors, qu'est-ce que t'as aussi sans? Enfin, monsieur. T'as pas ça à mettre près, non? Ok, j'ai compris. Ah, toujours droit et après. Comment c'est pas vrai, c'est vrai, monsieur? Il est cinglé, ou alors il est bourré. Quoi? Il est cinglé. Quoi? Oh, qu'est-ce que c'est? Il merde, il nous a eu. Les salauds, c'est ta tour. Oh, les salauds, c'est ta complice. Prends son numéro de ici. De bringue que vous travaillez pour cet abruti de Vital, cet étranger. Hein? Schtroumpf? Oh, Schtroumpf, dit, comme ces deux petites putes là. Depuis toi-même. Oh, fais attention à ce que tu dis, toi. Hein. Je sens que tu vas travailler à l'œil. Eh bien, ça m'étonnerait. Ça t'étonnerait? Il y a 10 clients pour toi ici. J'aime pas le blanc de poulet. Oh, alors là, attention. Oh, Versailles! Deauville! Oh, un peu de classe, merde! Silence! Voilà le macaron. Et maintenant, on va un peu parler là-bas. Hein. À l'ombre. Allons. Bien, s'il vous plaît, oui. Par ici. S'il vous plaît. Ah, cette fois, je crois que tu es bon. Proxénétisme international, sans compter tentative de corruption de fonctionnaires. Ah, monsieur le commissaire. Inspecteur, tu oublies que tu as essayé de m'acheter en me saoulant la gueule. Et comment? Allô? Oui, c'est pour vous. Ah, merci beaucoup. Une minute, permettez-moi. Allô? Ici, Teta. Oh, con! On a braqué la Versaillaise de crédit. Et quoi? On a braqué la Versaillaise. Oh, puis merde, hein, s'il vous plaît. Oh. Quand c'est passé? Ce matin? Appelez la police! Oh! On a braqué la Versaillaise au crédit. Messieurs, à l'attaque, s'il vous plaît. À l'attaque, messieurs, la police! Ils ont braqué la banque! Ils ont braqué la banque! La banque! Pour vous, la police, les gangsters, où tu es là? Les brigades rouges, tu peux pas savoir. Madame la sénateuse, je m'excuse pour hier. Allô? Dommage qu'hier vous soyez parti si vite. Attends, vous avez vu l'homme? Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Vous êtes sénateur aujourd'hui? Il fait beau, ça m'a... Vous avez passé un bon jour ce soir? Ça va. Allez me chercher le monde maintenant. Bonjour, ma biche. Bonjour, mon canari. Attendez, bougez pas. Bougez pas. Alors, attention. Police.
C'est pas dans la voiture? Présentement, oui. Pourquoi? Chef, c'est pas lui. On vous l'a volé tôt ce matin. Eh, c'est ça? Non, c'est mon chauffeur qui en avait l'usufruit. L'usage, quoi. Chauffeur, c'est pas un rastaquer avec une gueule d'abruti? Hein? La nuque plate comme ça, hein? C'est ça? Bien le tarin, un tarin comme un poivreau, hein? C'est ça? Hein? Ben, si on peut s'exprimer ainsi, oui. On le tient en balestéron! Alors je récapitule. Complicité de vol à main armée. Ouais. Un demi-milliard d'anciens francs. Avec son passé, son avenir, ses 10 ans fermes. Est-ce que c'est pas ça? Un demi-milliard? Est-ce que c'est ça? Facile, facile. Bon, quoi? Facile. Je vais vous expliquer. La première. Le voilà! Le voilà! Entrez. Marco, Marco, je t'en supplie, cache-moi, les flics me traquent. Cache-moi, Marco. Ah, c'est bien le moment. Il m'accuse d'avoir volé 100 milliards dans une banque. C'est une énorme bavure. Hein? Ah bah, j'espère bien que c'est une énorme bavure. Ça sent une odeur fantastique. C'est de l'encens, importé du Vatican, comme les spaghettis. Hein? Bon, Aldo, raconte-moi ce qui t'est arrivé. Bon, alors écoute, Marco. Pas plus que 3 minutes, les spaghetti, Marco, hein? Al dente. Mes réfugiés en Tunisie? Si, Aldo. C'est l'unique solution. Je prospère. Notre ami d'enfance. Maintenant, paraît-il qu'il est sérieux. Marié, père de famille et tout. Tout bien. Je lui téléphone. Il lui téléphone? Bon, Aldo. Hein? Il y a un Tunisien à Orly dans 2 heures. Je relis ici tes vêtements que t'avais laissés avant la prison. Ça, c'est l'argent pour l'avion, je peux pas plus. Aldo. Pas de catastrophe, je t'en supplie. Qu'est-ce que je vais raconter à la maman? Eh, hey, la maman, il a l'habitude. Eh, hey, Marco, prie pour moi, c'est à rien à faire, hein. Ciao. Là, inspecteur. Mais à vous, Macoro. Oh, ja. Allez, une autre baffe, s'il vous plaît. Une autre baffe. Si le commissaire du lac le permet. Non, c'est vrai, c'est interdit. Bon, allez, on continue. Allez, on recommence. Allons-y, s'il vous plaît. Restons calmes. Soyons polis. Parce que la politesse, c'est la bonne éducation des rois. Tu vas parler, et con ! Je ne peux pas parler. Et pourquoi tu ne peux pas parler ? Pourquoi je suis italien. Et alors ? Et alors, si vous m'attachez les mains, avec quoi je parle ? Je suis innocent. Pardon ? Tunisaire. Tunisaire. Merci. S'il vous plaît, mademoiselle, l'avion pour Tunis. Porte 18, mais c'est trop tard. Merci. Vous êtes très mignon. Mon père. Et j'ai pas le temps. Et je suis en retard. Oh là là. Attendez-moi. Messieurs les Tunisaires, attendez-moi. Il paraît qu'il fait 30 à Tunis. 30? Attendez-moi! Aïe! Comment t'as dû frapper? Frapper? Entendons-nous bien! Aldo, c'est un seigneur. Je veux qu'on le traite comme un prince. Sa chambre, je veux qu'elle soit nickel. Que s'il crache par terre, je veux que ça ricoche. C'est mon ami. D'ailleurs, je veux qu'on l'appelle Monsieur Aldo. Ça, c'est la classe. Il est milliardaire, mon ami. Et Pandina. Objection. Vous avez intérêt, hein?
Vous avez intérêt parce que je suis le maître ici et j'exige le respect. Compris? Alors moi je pensais que pour le bal de la Viso, l'orchestre Chouraki, il est plus classique. Comme qui dirait, plus raffiné, c'est-à-dire. Vous comprenez? Peut-être ta mère, j'ai un brûlant, mais... Enfoiré que tu es! Laquelle s'appelle brûlant, putain! Il n'y a pas de vulgarité, s'il vous plaît, petit merdeux! Oh, toi, ta gueule, hein! Prosper! Tu n'as pas changé! Comment vas-tu? Oh, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau! Laisse la valise. Non, non, mais non, mais non. Mais non, j'ai mais oui, laisse la valise. Alors écoute, ma prospère. Ah non, non. Aldo, Aldo, il est revenu. Qui l'a cru, là? Ma parole d'honneur, tu n'as pas changé. Non, hein? Non, dis-moi, quel âge tu as, toi, en ce moment? 36. 30? Oui. 36? Dis-moi, 40? Je suis curieux comme le temps passe vite, hein. Pourquoi? Eh, dire qu'à Tunis, on avait 18 ans tous les deux. Ah oui, mais depuis, à tout augmenté. Tu veux pas savoir, la vie à Paris, c'est autre chose. Ah c'est ouais? Plus cher. Oh là là! C'est à toi, ça? Eh! Oui, 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 la Mercedes! Ça vient peu. Oh là là! Eh, je suis obligé pour le standing et oh, tout ça, c'est là, normal. Ça. Tu as bien vu? Je m'excuse, mais... Quoi? Moi, je rigole pas, oh, hein. Demler, la pute de ta mère. T'as vu? Oh là là, 5 sur toi, mon fils. Oui, bah, hein. bah. Eh ben, ça fait plaisir de voir qu'on a réussi tous les deux, grâce à Dieu, grâce à Dieu. Mais c'est comme moi, tu sais, moi, j'ai 10 salons de coiffure, hein. Ah oui? Oh, attention, mes ouvriers m'adorent, hein. C'est dur, mais respecté, tu vois. C'est comme à la maison, tu vas voir. Ah oui? Rosette et les enfants, ah. Je les adore, mais... Oui. Au pied, hein. Ah oui? Oui, il y en a pas un qui branche, hein. Okay. Le maître. Ah bon? Allez, et toi, ça va? Hey, je suis une affaire fantastique, des briques en plastique. Tu peux pas savoir la révolution, la fortune assurée. Mais je suis ici pour pas parler de travail, pour me reposer. Allez, viens, allez, viens. Ah, je suis content. On va faire la vie comme ça. Tu te rappelles ce train? Il traverse en plein milieu de la ville, même pas il regarde. Mais t'es catholique, toi, maintenant? Tu es fou. Ça dépend du client. Ah non, hein? Non, 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 non. Allez, 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 oh. Allez, monsieur Aldo. Vous en prendrez bien une cinquième fois. Non, non. Il est pas bon, mon couscous. Génial. Quelle femme merveilleuse, ça. Elle est belle, Rosette. C'est un connaisseur qui te le dit. C'est vrai? Ah, ce monsieur Aldo, quel purée de séducteur, dit. Oh, pardon. Une petite saucisse. Dis-moi, tu penses vraiment ce que tu as dit, hein? Non. Mais ça lui fait plaisir, tu m'as compris. Prosper, mais comment on a fait pour rester si longtemps sans se voir? Ça fait 20 ans que je ne t'ai pas écrit. Pourquoi tu ne m'as pas répondu? Ne t'inquiète pas. Maintenant, on va signer un contrat d'amitié. On ne s'inquiète plus. T'as compris? Ah, bien sûr, mais le bûcher, il comprend. Hein. Alors, t'as compris. Caridas, à bout le fric. Caridas, eh va, tricheur, voit ton écart. Tu sais, ma réussite, ça s'est pas fait tout seul, hein. Quelle bande de cons! Ils font tout chier dans cette baraque de merde. Papa, qu'est-ce que c'est ce fils d'abruti que tu as fait? Ils m'ont niqué 20 francs au poker. Eh hey, oh, peu de classe, merde. On t'a sonné, toi? Tu as un problème? Eh hey. Ah, t'as bien lavé ton fils, toi, hein? Ta gueule, Fabien! Eh ouais. J'en ai bavé pour en arriver où j'en suis, hein. Et toi? Et moi, je suis comme toi, dans la merde. Toi aussi, hein? Oui. Dis donc, Prosper, et la Mercedes? Oh merde, ça me fait penser qu'il faut que je la rende à Choucroune. Non, mais grâce à Dieu, le cigare, il est à moi, hein. Bon, alors maintenant, c'est à moi, hein. Un bon cigare. Buvons pour oublier un peu, dans la bouche. C'est payé, ça? Oui, c'est payé. Allez, allez, allez. Il faut étudier quelque chose. Il faut étudier quelque chose. Laisse-moi réfléchir. Laisse-moi réfléchir. D'accord, mon père. Je vous présente mes excuses. Ça va?
Alors, un bon mouvement et dites-moi où je peux trouver Aldo. Hélas, mon fils, je suis tenu pour le secret de la confession. Et moi, je suis tenu par la loi. Alors, je vous donne 8 jours pour le retrouver et nous le livrer. Sinon, je vous fais coffrer pour délit de complicité de fuite. D'accord? Non, pas d'accord, mais je n'ai pas le choix. Ah, eh bien, c'est très bien. Alors, je vous en prie, faites accompagner monsieur l'évêque tout de suite. Et voilà. Tétard. Oui. Faites-le suivre discrètement. Il va nous conduire en tout droit à l'autre Macron. Vous allez voir comment ça passe. Oh là là, il y a des bonnes affaires ici. Hein. Oh là. Et mignonne, celle de gauche. Laisse tomber, c'est française. Oh, bon pour moi. Oh là là, celle-là, quand il part, on dirait qu'elle revient. Oh. Aïe, dommage la tête. Oh, elle est lourde, celle-là. C'est un bon 40-42. Hein. Grâce à Dieu, tu n'as pas changé, tu as toujours les solides. Hein. Oh là là, bon cul pour la saison. Hein. On ne peut pas laisser passer ça, ça serait un péché. Hein. Allez, on y va, va. Rien que pour la tranquillité d'esprit. Non, mais vas-y toi, parce que moi... T'es malade? Non, mais c'est pas ça, mais tu sais pas ce que c'est d'avoir des responsabilités. Ah oui? Les gosses, Rosette... Non, puis je ne veux pas les faire de peine, tu comprends? Non, oui, t'as raison. Non, puis attention, je suis connu, moi, ici. Je suis une personnalité, pas savoir. Je vois bien. Alors, elles sont pas aussi jolies qu'à Paris, si? Tu en vois une, tu oublies une. Un Ricard, s'il vous plaît. Ah, messieurs, vous avez des cafés? Quoi? Café froid? Café glacé? Oui, oui, on a. Ah, voilà, glacé. Alors, vous me faites choper une tasse. Il est con. Garçon. T'as pas vu que mes regards, là? Oui. Et tu... tout le plateau pour les deux. Hein? Hein? Toi? Si, je suis seigneur, moi. Qu'est-ce que tu crois? C'est moi. Merci. L'argent? Hein? L'argent? L'argent prospère. Paye, je prends dîner. Paye. Oh là, putain. Elles viennent. Et alors? Non, moi, je rentre chez vous. Ah non, on a signé un contrat. Hein? Alors, ou tu restes ou tu t'en vas pas. Alors, bonsoir. Asseyez-vous, prenez une chaise. Je suis un seigneur, moi. Aldo, Prosper. Brigitte, Maïté. Ah, fin de française. On meurt de faim. Et moi aussi. On meurt de faim. Prosper, on meurt de faim. Choisissez le meilleur restaurant de faim. Non, mais on vient de manger à la maison. Aïe, 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 oui, c'est là, là, je me barre, là. Vous avez sûrement trop mangé. Moi, je dînais que 2 fois. Aïe. Totor, il est grincheux parce que je n'ai pas sorti. Aïe, j'ai rien à foutre de Totor. Dites-moi, Prosper, c'est votre nom ou c'est un gag? Non, c'est le destin. Ma mère s'appelle Fortuné, mon père Richard, et moi, j'ai pas un radis. Oh. Aïe, 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 la catastrophe, là, oh là, 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 là. Mon mari s'appelle Désiré. Il est pilote de ligne et il n'est pas là. Mais nous deux, on est là. Non, je rentre parce que, vous comprenez, j'ai besoin de connaître. Moi, je suis un sentimental, comme ma mère. Ma mère, la pauvre, elle était très sentimentale. Alors, merci pour le thé. Hein. Ça, c'était un régal, hein. Bon, on n'est pas fâché, Brigitte. Comment c'est votre prénom, déjà? Est-ce que j'ai au sous-bout? C'est Brigitte. Brigitte, c'est ça. Et vous reprendrez bien un peu de thé, puisqu'il est délicieux. Vous n'êtes pas fâché. Non, pas fâché. Non. C'est un chien méchant, tu sais. Mais non, il est mignon. Comment vas-tu, mon petit minou? Bien. Oh! Tu vois, il est surtout très jaloux. Ouais. Il est nerveux. Hein. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est, cette saloperie? Ah, mais... Oh, ah!
qu'est-ce que je vais raconter à Rosette? J'ai rien fait, je peux même pas lui dire la vérité. Qu'est-ce qui va me passer? Ça y est, ton ami Aldo, il est revenu. Et ça dégénère, tu es influençable. Évidemment, oui, sous cet angle. Tiens, mais c'est Désiré. C'est votre mari? Ah oui, je reconnais bien son pas, là, c'est lui. Hein? C'est bizarre, il devait rentrer que demain. Mais qu'est-ce qu'il va faire, là, parce que moi, je... Hein? Oh, ça, je sais pas, écoutez, on t'est jamais trouvé dans une situation pareille. Mais il peut avoir des réactions bizarres. Hein? Ah oui. Cette clé. Ça y est, il est parti. Dépêchez-vous, sauvez-vous vite. Il est parti chercher le double chez le concierge. Ah, mon pantalon du dimanche. 200 francs ou 3 suisses. Donnez-vous un bien. Marco. Alors, comment allez-vous? Vous n'avez pas changé? Toujours le même costume? Oh, merci d'être venu. Il s'agit de mon frère Aldo. Les meilleurs merguez sont les doigts, le Fatma. Quand il pleut, les crapauds volent bas. Inspecteur Mohamed, inspecteur Mohamed. Décontracté, hein, s'il vous plaît, décontracté. Vous voyez le curé là-bas au terrain de poireaux? Regardez. Eh bien, vous allez le surveiller discrètement et me rendre compte de ses faits et gestes par radio-téléphone. Moi, je vais aller l'attendre à l'hôtel des mille et une nuits. Attendre quoi exactement? Qu'il retrouve son frère jumeau. Alors là, vous l'arrêtez, c'est votre territoire. Et alors après moi, je baluchonne et hop, retour à Paris. S'il vous plaît, comment ça va? Allez, incognito. J'ai bien compris, c'est bien l'homme de droite qu'on doit suivre. Exactement. Mais attention, attention, toujours décontracté. Attention. Hôtel des mille et une nuits. Et Don Lorenzo, où est-il? Il est mort. Ah, mon Dieu. Eh oui, il était vieille. Mais non, il est mort dans un accident de voiture. Ah. Et le plus grave, c'est que c'est moi qui te vole. Hein. Ah bon? Et... Eh bien, on peut changer de place, Don Eusebio, si vous voulez bien. Ah, je ne comprends plus rien. Oui. Celui qui est à droite, il est passé à gauche. Celui qui est à gauche, il est passé à droite. Qui c'est qu'on va suivre maintenant? Ah! Prosper, tu me marches sur le bonbon. Ah, tu laisses toujours tout traîner. Hey, Prosper, c'est marcher avec Brigitte? Non, je t'expliquerai tout à l'heure. Ah. Chaque fois que tu mets les pieds sur mon matelas, tu me les dégonfles. Ça suffit maintenant. Je l'achète. Oh, allez, viens, foutre le corps. Ah, regardez-moi ça. Un homme de ma classe vivre dans une baraque de merde comme ça. Quelle chaleur, en plus. Oh là là, même pas l'air climatisé. Eh ben, purée, elle était pas douée pour le repassage, hein? Bonjour. Prosper, jure-moi que tu fais pas avec une putaine cette nuit. Arrête de dire jure, c'est péché, ça porte malheur. Mais fais-toi l'œil. C'est ce pourri d'Aldo qui t'a entraîné, hein? Judas, va. Jure. Mais arrête, mais c'est pas possible, ça fait une heure que je te dis non, c'est non. Qu'est-ce que c'est ça? Comment tu veux confondre un foyer sur des bases solides? Je m'excuse, mais merde. Merde toi-même. Va-t'en, tu me dégoûtes, obsédé sexuel, va. Sadique, hors de ma vue, je veux plus te voir. Arrête! Tu me casses les clous, oui! Tu comprends le français maintenant? Putain, quelle vulgarité! Non. Compétit de abricots, de riz, de raisin, des plumes. Ça, c'est quoi? Compétit de spaghetti. Prosper, Prosper, ah te voilà. Dis donc, la confiture de pastèque va au manotel dans les petits pots, tu n'as plus? Mais où tu vas?
Rosette, elle me jette à cause de cette nuit. Ah, c'est con, hein? Ah ben, dis, fais comme chez toi, hein. Tu peux revenir quand tu veux. Hein. Pas de problème. Hein? Qu'est-ce que tu fais, toi? Bonne valise, monsieur Ado. La Rosette, hein? La classe. Milliardaire, il peut même pas se payer l'hôtel. Il préfère venir faire le tchaklala chez les autres. Plonger un coiffeur diplômé dans le dévergondage. Allez, du vent, les étrangers. Rastakwer, goum. T'es bon, le guido, t'es le rouleau. Mon Dieu, mon Dieu, pourvu qu'il nous arrive au mieux. Ciao, papa, ciao. Ciao, papa, ciao. Ciao, ciao, papa, ciao. Ciao, ciao, papa, ciao. Ma femme, c'est une esclave, au pied. C'est la merde. Laisse-moi ma vie tranquille. Je m'en vais, je te quitte. Voilà. Et c'est surtout de pas me revoir. Monsieur, s'il vous plaît. Moi? Non, vous. Oui? L'avenue d'Indépendance, je vous prie. Mais je vais, justement. C'est par là. Suivez-moi, moi, chérie. Très bien. Prospère. Oh, les foules camp, tranche la politesse. Aïe! Ah, espérons, espérons, les seigneurs. Encuré maintenant, quel estomac. Ça, c'est pour avoir détruit un foyer. Mais... Et ça, c'est pour m'avoir fait croire que j'étais belle. Mais chère madame. Oh, mon Dieu, Aldo, qu'est-ce qu'il a encore fait? Non, venez vous installer dans un monastère. Dieu vous aidera à le retrouver. Les chalons de coiffure de Prosper. Police, le curé, qu'est-ce qu'il vous a dit exactement? Rien. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Oui. Ça. S'il vous plaît. Monsieur Prosper, s'il vous plaît. Hein? Prosper, il est là. C'est pour quoi faire? On est... Ah, s'il vous plaît, j'en ai pour deux minutes. Hein, excusez-moi, hein, parce que j'avais un rendez-vous. Oui, monsieur. Hein? Ah! Vous avez une bonne tête, mais vous me ressemblez un petit peu à la famille ou quoi? Non, hein? Je viens de la part de monsieur Giorgio. Giorgio? Giorgio Bouffari? Ouais. Non, le Noun! Aïe, 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 ça fait plaisir, ça, ça. Bon, qu'est-ce que c'est? Pourquoi on l'a pas dit plus tôt? Parce que c'est pour une con. C'est pour une con. Si, si. Vous occupez. Comment? Laissez-moi faire, laissez-moi faire. Excusez-moi, monsieur, je suis désolé parce que j'avais complètement oublié que j'avais un rendez-vous urgent. Alors, excusez-moi, vous allez m'attendre deux secondes. Je ne peux pas rester comme ça. Mais non, j'en ai pour deux minutes, je vous finis de l'autre côté après. Sérieux, sérieux. Essuyez parce que ça va sécher un petit peu. Voilà, voilà, la moustache aussi. Voilà, là, vous en avez pour deux secondes. Prenez un peu de lecture. Voilà, tranquille, hein. Attendez-moi deux secondes, j'arrive. Hein? Allez, venez, venez. Oui, c'est pas vrai. Mais non, mais non, mais non. Je t'en prie. Voilà, allez, voilà, maintenant. Monsieur Prosper, oui. il faut que je vous explique, hein. Voilà, je suis très difficile à coiffer, vous voyez. Premièrement, j'ai la bosse en pain de sucre, vous voyez, la tête en pain de sucre. Deuxièmement, la bosse de calcul ici, elle me fait un plat là, ici, là, exactement là. Troisièmement, j'ai le jouron. Alors, moi, je pense qu'il faut gonfler les pattes ici pour pigeonner le visage. Hé, je suis prospère. Et alors? J'écoute pas. J'entends rien. Vous avez pas honte, non? Hein? Vous, un coréligionnaire, un ami d'enfance de Giorgio Blanon de Bouffari, que vous venez me dire à moi, le plus grand coiffeur d'Afrique du Nord et de Navarre, vous venez me dire à moi, j'ai les jurons, il faut me biseauter, j'ai la bosse de calcul, j'ai un plat derrière la tête. Et moi, je vois pas la tête d'abruti que vous avez, non? La tête de pastèque, là. Vous avez lu l'annonce derrière, là? Au ciseau d'or, mon pote. Tu as compris? Au ciseau d'or. Oui, ça me dit quelque chose. Au ciseau. Mais c'est mon coiffeur. C'est lui. Ah, alors je vais vous faire un coup de splèquement. Oui. Vous prenez tout droit, tout droit, tout droit. C'est bête, hein? Je le sais très bien pour aller à un vélo moteur. Mais pour aller en voiture, ça, je connais pas. Maintenant, vous pouvez relever la tête. Alors? Alors? C'est bien. Bien. Content, je... Ça, c'est bien, ça, j'ai jamais entendu vous dire ça. Bien. Ça, c'est bien, ça.
Mais c'est génial, ça. Oh, c'est extraordinaire, c'est fantastique, ça. Ouais, c'est fantastique, c'est extraordinaire. C'est le dernier cri des Mohicans. Ouais, ouais, c'est génial, officiel, c'est génial. Alors officiel. Monsieur Prosper, je m'excuse, hein, c'est peut-être un effet d'optique, j'en sais rien, mais j'ai l'impression, j'ai une image, hein, qu'il y a peut-être, je dis bien peut-être, une patte qui est un petit peu plus courte que l'autre. Ah bon? Ah, ça c'est mon défaut. Ah, non, ça c'est mon défaut, j'ai jamais pu réussir les pattes. Ça c'est... Eh, Polo, viens lui finir les pattes avec ta mère, viens, viens. Allez, ça fait 12 005. Plus le shampoing. T'as mon petit cadeau? Quel cadeau? Et c'est 50 dinars, mon chou. 50 dinars? Mais tu rigoles ou quoi? Mais je rigole pas, moi j'ai pas le temps. Allez, dégage, travaille, moi. Aïe, aïe, aïe. Tu n'avais plus d'argent pour la pute. Ah, tu savais, hein? Non. Bravo, merci, hein? Ça paraît. Je suis ici, pourquoi on a signé un contrat? Alors, ou tu ne m'écris plus, ou tu restes avec moi. Hein? Et c'est un problème, tu peux compter sur moi. Prosper, j'ai un problème. Le mari de Maïté, la fille de la nuit, il est là. Tu connais? Lui, non, mais les chiens, oui, qui en est plus mal. Parle moins fort parce que je crois qu'il t'a reconnu. Tiens, fais comme si tu travaillais ici. Oui. Prends ça, je vais dormir la nuit. Aïe, pas possible. Tiens. Enfin, naturel, comme si on était décontracté. Non. Tiens, dents, hein, toi. À chaque fois que j'arrive quelque part, c'est la merde. Hein. Mais quelle merde! Attention, regarde. Oui. Oh, là. Regardez. Allez, attends, oui, patron, oui. Et oui, faut-moi le cas. J'ai compris, patron, d'accord, oui. J'ai dit salon de coiffure, moi, l'Arben. C'est même pas toi, cette boutique de merde. Moi, j'ai rien, mais je me vends pas. Moi, j'avais un foyer, j'étais riche, respecté. Et j'ai venu me niquer ma vie. Prosper, merde, regarde tous ces paquets. Ils sont des milliardaires, hein. Ouh là là, ils sont consternés de bijoux. Viens, Prosper, je vais faire ta fortune. Non, c'est fini, moi, non, je vais plus avec toi. Je te supplie. Tiens, qu'un seul objectif, les femmes, c'est tout. Tais-toi quand tu parles. Je te dis, je vais faire ta fortune. Mais à partir de maintenant, tu es mon secrétaire. Et tu m'obéis au doigt et à la lettre. T'as compris? Et tu restes toujours derrière. Allez. Et tu jettes cette valise de merde. Prends la mienne. Allez, l'excursion est terminée. Allez, vite, on va être en retard à l'hôtel. Une grande tâche. On va pas se mélanger avec elles sont trop riches. Prosper, il faut toujours faire croire qu'on est milliardaire. Qu'est-ce que je dis, millionnaire? Les secrétaires derrière. Vous êtes client de l'hôtel de Mille et Nuit Hannibal Palace? Naturellement, Aldo Di Giacomo est mon secrétaire Prosper. Et col grande, l'animateur. L'armateur, justement, j'ai une affaire en briques en plastique. Mousse bleue, tu pousses et ça mousse, ça sent bon, la lavande, c'est bien plus malin pour se laver les mains. Eh hey Bernard! Ouais? Eh, hey, tu connais Esso Super Plus Sans Plomb? Le nouveau Super Sans Plomb d'Esso? Eh bien, il y a aujourd'hui 10 millions d'automobiles qui peuvent l'utiliser. Tu le savais, ça? Ouh, c'est bien! Allez, viens, Bernard, on va se faire un plein! Esso Super Plus, la griffe de la qualité. Ciel, mon prince! Imac, tu me fais la peau satin. Très satin. Le sac poubelle Lockup d'Albal est vraiment résistant. Aussi facile à ouvrir qu'à fermer. Albal, c'est bien fait pour vous. À partir du 24 mai, British Midland assure la liaison Charles de Gaulle-Heathrow aller-retour 6 fois par jour. Enfin, une sérieuse alternative. Évier ou lavabo bouché? Stop! Utilisez Destop. Fini les problèmes d'écoulement. Destop, un bon tuyau dans la maison. Non, allez, on recommence encore une fois, au début. Oh non, c'est pas vrai.
Mes bébés, la voisine n'a rien pour les changer. Jérôme, Julie, elles doivent être tout mouillées. Tant pis, faut que j'y aille. Ce papa ne devrait pas s'inquiéter. Aujourd'hui, ses bébés portent des Ultra Pampers garçons et filles, avec des mini-capteurs pour empêcher l'humidité de remonter. Ils sont plus nombreux là où ça compte le plus. Devant pour les garçons, au milieu pour les filles. Mais tout petit, je suis en retard, j'étais si inquiet. Mais t'es tout seul, Jérôme? Et toi aussi, Julie? Ultra Pampers garçons et filles, même mouillés, ils sont secs. Et la fraîcheur est en vous. Sur le disque des tubes numéro 2, il y a marqué en gros les tubes. Et puis c'est facile à reconnaître sur la pochette. Il y a un lion. Maintenant. Les tubes, c'est marqué dessus avec Skyrock. Mintonic est un bonbon à la menthe. Où la menthe est vraiment forte. Mintonic, la menthe, il va vraiment fort. Ah, créma. Monsieur, cette machine ne marche pas. Ah. Vous vous appelez ça laver? Non. Alors? Alors, K2R détachant avant lavage. Avant chaque lavage, pulvérisez K2R détachant avant lavage sur les taches et les salissures. Lessive et hop, en machine. Et tout est impeccable. K2R détachant avant lavage, l'assurance détachage. Oui, ben on peut se renseigner. Hein. Craquinotes de Kellogg's, de croustillants pétales de maïs enrobés de miel et incrustés de cacahuètes. Craquinotes, un petit déjeuner irrésistible. Craquinotes au petit déjeuner irrésistible. Et qui me restitue parfaitement la saveur du café grâce à son arrosage en deux temps, c'est mon arôme extra Moulinex. Moulinex, quand on a le sens de l'essentiel. À tout à l'heure. Eh hey vieux, t'oublies pas la vaisselle? Eh ben toi au moins tu me laisses pas tomber. Hein? Bon allez, on y va. Soleil citron. Ça sent bon. On commence par le plus sale? Ouais. Carrément facile. Et on se débrouille pas si mal, ça brille. Tu sais quoi? Ils vont dire que je suis le roi de la vaisselle. Alors? Tu serais pas le roi de la vaisselle, toi? Qu'est-ce que je t'avais dit? Soleil, le soleil de la vaisselle. Chambre ici, Rosette, elle fait à manger pour un mois. Ne t'inquiète pas, on sera marié avant qu'on nous présente la note. Oh. Tu vas voir, donne-moi un cigare. C'est bon. C'est la classe, là. Derrière. Ciao, tesoro. Luna et Rosalie. Attends-moi au bar, hein. Commande les champagne, 4 bouteilles, comme d'habitude. Ah. Bonsoir, monsieur. Nous clés, s'il vous plaît. Votre nom, monsieur, s'il vous plaît. Tantage. Nos chambres ne sont pas réservées. Sans doute une erreur de mon secrétaire. Prosper. Aïe. N'avais-tu pas téléphoné? On ne peut plus compter sur le personnel aujourd'hui, hein? Et il doit être un malentendu. Et permettez, monsieur. Ah, voilà. Et ça, c'est quoi, ça? Giacomo, monsieur. Non, monsieur, c'est Giacomo. Ça se prononce avec un D, mais ça s'écrit avec un G. Vous voulez pas prendre les Français, non? Ne rigole pas, toi. Tu as vu, je joue bien les snobs, moi aussi, hein? Tu fais trop, Prosper, trop. Mais la réservation est faite pour le 24, on est le 18. Aïe, la putain de bordel de merde, hein? Prosper, un peu de classe, please. Alors, maquillez, prego. Monsieur? Merci. Ma valise. Frigo. Oui, frigo. La valise du personnel. Quoi? Ah! Eh bien, on voit que vous êtes bien tranquille, vous, à Paris.
Vous savez pas ce que c'est que le désert, non? Au milieu d'une forêt vierge, avec les rugissements des moustiques et les piqûres des lions sauvages. Quoi? Tu entends la mer? Eh ben, t'es pas physionomiste, con. C'est le sirocco. Oui. Oh, oui. Oui, oui. Pendant que j'y pense, tu diras aux assureurs de la banque braquée d'augmenter mes défraiements. Parce que je m'en sors pas. Oui. Comme, j'ai dû louer une chambre borgne dans un hôtel minable. Hein? Alors, s'ils veulent récupérer leur sang sans bâton, il faut qu'ils crachent. Salut, Balestero. Je t'embrasse. Et une poignée de main à ta femme. S'il vous plaît, commençons pas. Hein? Ah, c'est combien pour le jasmin? Et dis là, eh bien, servez-vous. Voilà. Doucement, hein. Doucement, parce que j'ai la peau très fraîche. Qui sait ces paquets qui mettent des huiles sur ce navable, là? Elles sont lourdes. Est-ce combien, question d'autres? Laissez tomber, monsieur Aldo. Vous voyez pas, c'est des entre-nous. Ah bon? On dirait une frite mal égouttée. Prosper, derrière. Toi aussi. Alors, celle-là, tu m'as dit, c'est 12 milliards, t'as payé. Et là, déjà, elle est héritée. Dommage, elle est maigre. Dis-donc, regardons les autres. C'est bien, Nico, c'est bien. Mais il faut que tu m'aides à... derrière. Il faut que tu m'aides, Nico, à trouver quelque chose de plus fort pour moi. Tu comprends? D'accord. N'oublie pas que j'ai la classe. C'est là. Intéressant, son père, c'est le roi de l'acier. Il pèse 15 milliards. Ah, oui, c'est unique. Non, il a une frère. Ah, dommage, il faut partager, ça m'intéresse pas. Enfin, mais pas du tout, ça fait 3 milliards de francs, c'est pas 2 millions de dollars. Allez, paye, d'accord, paye, ok, thank you. Vous allez trop loin, mon vieux. Attendez, je vous entends plus. Nico. Oui. Et celle-là, cette 42 normalisée, c'est quoi? Et celle-là? Ah, celle-là, c'est... Ah oui, laisse tomber, c'est 36. Et l'autre? Ah, l'autre, il est marié. Ça ne fait rien, je ne suis pas jaloux, t'es con. Ah, oui. J'ai besoin d'être seul. Allez jouer ailleurs, allez, donne-moi de l'argent, pour le faire. Laisse-moi travailler. Encore une autre. C'est pas mal, ça. Quand même, pense à mon 10%. J'ai failli tomber. Il mord, votre chien? Mon chien, non. Oh, qu'est-ce que c'est mignon, ce petit bambino. Oh, ciao, ciao. Aïe, aïe. Mais mon fils, oui. Eh oui, je vois, hein. Salut, Prosper. Il y a une paquette, là, hein. T'es triste? Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas encore dragué? Oh là 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 là, Prosper, bon, alors dis à moi, dai. Laquelle tu veux, je la trappe pour toi. Celle-là? C'est vrai? Celle-là? Non, non, non. Celle-là? Il y en a une qui me plaît, là. Elle est belle. Oh là là. Oh là là. Oh là là là. Ne bouge pas, je te la ramène. Tu me la ramènes? Oui. One, two, three. Bonjour. C'est beau, hein? C'est beau, hein? Ça va m'appéter. Pardon, je dis. Hey, t'avais raison, hein? Elle est très belle, de loin. Oh, mais tu l'as vue de près. Il est affreuse. Il a un cul d'une pastèque. Les yeux de grenouille. Laisse tomber ça. Nous, on vient d'arriver ici, on a la classe. Merde. Eh oui, mais moi, elle me plaît à moi. Et alors, débrouille-toi tout seul, hein? Cherche ton casse-croûte. Oh, ciao. Oh, monsieur le maître noyeur, là-haut, il n'est pas qu'il est en train de se noyer. Non. C'est comme ça que vous vous occupez de vos clients? Allez, laissez-va, moi j'ai été maître nageur dans ce lieu. Cinq yeux, c'est ça. Cinq yeux, six yeux, sept yeux, huit yeux. Ah, marque tu va. On va cinq à la fin, anglais de mes deux. Mon chéri. One, two, three. One, two, three. One.
three. Why, I'm singing a fire like a singing loving you. Why, singing? No, I'm not like that. Why, yeah, 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 enfoiré cotier, le con de ta race maudite. Tu me fais le one, tu me fais le tri, tu me fais pas le tour. Où tu m'as mis le tour? Où tu m'as mis le tour? Où... Oh, quel effroi. Arrêtez quoi? Mais vous voyez pas qu'il est en train de se noyer, non? Vous êtes française? Oh la putain. Allez, crazy. Ah, alors c'était toi l'anglais. Christine, la vie de votre mère, comment c'est votre prénom déjà? Christine, aïe aïe aïe, Christine. Vous savez, on dirait, vous, comme une peinture expressionniste. Van Gogh, vous connaissez Van Gogh? Van Gogh, c'était un très grand peintre de la littérature. Eh ben, vous, on dirait Van Gogh. Vous voyez, enfin, non, les tableaux de Van Gogh, vous ressemblez pas à Van Gogh, non, parce que Van Gogh, le pauvre, lui, il était moche, Van Gogh. Oh! Qu'est-ce que c'est cette rigolade, hein? Respirez, s'il vous plaît. C'est pas pourquoi le professeur n'est pas là qu'on va jouer ici, hein? Respirez, s'il vous plaît. Je me suis rapproché à vous parce que vous êtes la plus jolie. Vous avez la classe. Moi, c'est Aldo. Julia. Professeur. Respirez, s'il vous plaît. Mais que professeur, je dépanne. Le yoga, c'est mon hobby. Je suis dans les affaires. À propos, je me brevets des briques en plastique. Écoutez... Ah non, 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 soyez gentil, vous m'êtes sympathique, car on ne parle pas à faire. Essayez de me faire rire, plutôt. Il y a des années que je n'ai pas ri. Ah non? Je donnerai tout à l'homme qui me fera rire. Oh là là, je connais les femmes, moi. Les rires, c'est ma spécialité. Vous allez voir. Quoi? Respirez, soufflez. Ça va pas vous, messieurs, hein? Vous êtes passé décontracté. On peut-tu faire quand on est décontracté? Le corps humain, c'est une boule de caoutchouc. Voilà. Et les muscles, ils se plient comme ça. Ça devient de la stitch. Vite. Tu vas voir, et ça roule comme un ballon de football. Et voilà, bravo, messieurs, bravo. Voilà, messieurs, vous pouvez aller à la piscine. Et alors, ça vous a fait rire, ça? Amusant. Nico, c'est pas allumé, ça. Allez! Tiens. Je crois que je laisse tomber, Julien, Nico. Pourquoi j'arriverai jamais à la faire rire, celle-là? Oui. Et, ah oui, t'as raison, il faut courir plusieurs lièvres à la fois. Oui. Oui, c'est pour ça que je te présente ce milliardaire. Un homme? Oui, mais c'est pas pédé, hein? Ah, bon. Tiens, justement, c'est là qu'il arrive avec son bateau. Oui. Non, c'est lui, ça? Oui, et c'est lui de droite aussi. Mais aujourd'hui, il a pris le plus petit pour sortir. Oh là 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 là! Il y a riche, celui-là, dit. Quelle fortune! Eh, hey, je te présente pas n'importe qui, hein? Oh là là! Oui. 2 milliards pour lui, c'est 10 balles pour toi. Oh, Nico, je vais faire ta fortune, Nico. Tu te rends compte si je rêve à quitter à lui 2 milliards pour toi? C'est 200 millions, Nico. Tu te rends compte? 200 millions. 200 millions. C'est un peu trop pour toi, 200 millions, Nico. Ah non, 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 10%, c'est 10%. Oh, si tu n'es pas de parole, je m'en vais, hein? Non, non, viens là, ok. 10% pour toi, on laisse tomber Prosper. Il y a un bon à rien. Ah bon. Allez, viens. D'accord. T'es sûr que c'est intéressé à mon brevet? Ah oui, le milliardaire, c'est celui-là avec le short bleu. C'est un fou des cartes, attention, hein. Et c'est un vicomte, un type besmain et tout, attention. Bonjour. Oh. À combien vous jouez les points? À 2 francs, monsieur. Ah. Mais au Cirque à Paris, où j'ai 2000 francs des points, hein? Oh. À qui ai-je l'honneur, monsieur? Ah, c'est... Derrière. Commendatore Aldo de l'Etna, de Vesuvio et Stromboli Parma Mer. Alexis de Beaupuis Saint-Jean. Oh. Voulez-vous vous joindre à nous? Pourquoi pas? Tenez. Non, pas ici, hein? Allez, excusez-moi, monsieur. Il est pas mal. Non, mais non, frère. Vous êtes chez vous. J'ai rien. Merci, monsieur. Voilà. Allons-y. Ah, cigare. Merci, monsieur. Champagne. Champagne. Distribuez. Alors, comme au jeu, comme d'habitude, les règles, c'est quoi? Si, par exemple, j'ai 13 cartes de même couleur, qu'est-ce que ça se passe dans ces cas-là? Oh, alors là, mon cher ami, je vous fais cadeau de mon yacht et je n'ai qu'une parole. Et si les cartes sont 13 de pique, par exemple? Alors là, dans ce cas-là, je vous offre mon épouse.
Foi de bon puits Saint-Jean. Cookie Saint-Jean, sympathique. Où est votre épouse? Nadine! Oui? Je passe. Ah non, 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 c'est pas elle, non. Non, c'est la barmaid. Nadine! Vous m'avez appelé mon amour? Je passe plus, monsieur. Thérèse? C'est à moi, j'ai gagné! Attendez. Nico m'a touché un mot de votre affaire. Est-ce que 2 millions nouveaux vous intéresseraient? Hein? On quitte ou double sur un nouveau pari, ok? Alors, les paquets, les magots ou rien, d'accord? Choisissez-vous ça. Le golf, en un seul trou. Monsieur le vicomte, s'il vous plaît. Allez me retirer ce drapeau, ça me gêne. J'ai l'habitude de le faire en un trou. Je vous en prie. Non, le paquet, là, c'est ma garantie. Merci. Pour Père Cendrier. Tu vois pas que tu me gênes, non? Hein? Le secrétaire derrière, à distance. Allez, tu me gênes! Je veux pas jouer, tu me gênes! Style 10, efficacité 0! Prosper, Cendrier. Capite merde, je te demandais un club 12, tu me donnes un club 8. C'est pas possible. Je peux pas jouer comme ça. Allez dans l'autre côté, qu'il n'y ait pas de contestation. Allez. S'il le fait en un coup, sans vouloir être vulgaire, je me les coupe. Vois-toi encaisser le chèque. Oui, vas-y, toi. Je suis malheureux, Prosper. Je pense qu'on aurait pu encaisser 200 millions et qu'à la place... J'ai un coup de poing. Il a bien misé, en tout cas. On va être riche, alors. On n'est pas faire. Faut pas se laisser abattre. Allez, mange un peu. Mange la vie de ta mère, la putain de ta race. Mange. Non, merci. Tout ça, ça m'a coupé l'appétit. Votre sandwich, monsieur Aldo. Comme d'habitude. Merci. Ça, c'est gentil. Aldo, vous m'invitez à dîner ce soir? Ce soir? Je veux bien vous donner une autre chance de me faire rire. C'est mon anniversaire. Nous deux danser ensemble? Dîner ensemble? Si. Tiens, pour le père. Tu mets ça sur ta note, hein? Avec plaisir.
Oh, c'est ravissant, ça a belle couleur, c'est punk. Non, ça c'est un uppercut. Un droit. Happy birthday. C'est mon cadeau pour ton anniversaire. J'ai juré de te faire rire. Eh bien, ouvre. Je l'ai pas, alors. Mais non, ouvre, Julia. Tu vas te marrer, tu ne veux pas savoir. Ah! Vous êtes un bouffon. Il est très drôle. Vous pouvez même vous l'accrocher en porte-clé. Même ça, ça vous fait pas rire. Allez ! Ça vous a coûté cher, cette plaisanterie. Bon, maintenant, je vous dis la vérité. Les 10% de votre dot. La franchise, ça paye pas non plus. Allez, retirons-nous. Tu vois bien qu'on a mis ces dames, non ? Prosper, faut pas insister quand ça marche pas. Si ! Maintenant, vous comprenez pourquoi je me dois bien civil. En faisant semblant d'être à dos, je tomberai forcément sur quelqu'un qui les connaît. Et le mettra sur sa piste. Si, j'ai dû étudier, c'est un bon plan, je ne vais pas faillir. Je chercherai même, si vous voulez, des marchés comme lui, qui fait comme ça tout le temps. Alors, si vous voulez... Non, ça non. C'est bon, je suis tellement confus. Don Eusebio, mes chers frères, priez pour moi. Bienvenue. Sensible à vos efforts pour me faire rire, mais c'est pas encore ça. Je suis Marco, le frère d'Aldo. Justement, je les cherche. Où est-il? Ah, c'est pas mal, ça. Continuez. Chef, c'est dégoûtant que Rekedrak. Mais écoutez, c'est sérieux. La police, ils les cherchent pour un hold-up de 600 millions. Ouh. Alors, on est sur la bonne voie. Bah, écoutez, on tente aussi de les faire passer pour un proxénète à cause de deux Allemandes qui se promenaient nues à Versailles en se croyant au bord de la mer, oui. Pauvre petit frère. Oui. Mais il faut me croire, je suis prête. Aldo, vraiment, vous avez réussi. Je vous autorise à m'emmener danser ce soir. Mais où? Mais tu le sais bien, voyons, au night. Mais où? À ce soir. Elle est belle, la religion française, hein? C'est la dernière chance, frère Marco. Je vais faire une petite prière. Ah, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? C'est la 10e boîte de nuit. Pardonnez-moi, Seigneur. Amen. Omnibus sanctus et fini. Tu as tout gâché hier soir avec Julien et Christine. Tais-toi! Mais j'arrête pas d'y penser, moi. Eh oui,
Allez, Christine, ça se trouve pas tous les jours, hein. Parce que toi, tu laisses tomber la tienne, tu m'obliges à laisser tomber la mienne. Oh, laisse tomber, hein. Et en plus, regarde-moi ça, hein, des vilaines, hein. Affreuse. Prosper, Maïté, viens, on se tire. Franchement, qui connaissait cette connard qu'il était derrière moi. Alors, on fait la paix. Si te tente à pardonner. Moi aussi. Tu me fais danser. Ouais, Véramonte. J'espère qu'il a bien compris. Il avait l'air paumé. Ah, il a compris. Et mufle avec ça. Dites-moi, est-ce que je t'ai déjà parlé de moi? Mais tu n'as fait que ça, Aldo. Et je t'ai dit où j'habitais. Non, mais je le sais. Où? Brigitte t'a vu à l'Animal Palace avec Prosper. À l'Animal Palace, merci, ma fille, merci, monseigneur. Aldo. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que... Prenez le volant, démarrez vite. Oh là là, c'est la chienne lit. Hein? La gabegie. La quoi? C'est la merde. Démarrez. Le curé, qu'est-ce qu'il vous a dit exactement? Rien. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait? Non. Si. Trois créatures qui se sont battues pour vous. Mais si, regardez. Ah non, pas pour moi, pour mon frère Aldo. Ah. Mais alors, Père Eusebio, lui, il roulait à 160 à l'heure. Honte. Oh, mes chers frères, il faut encore prier. Santa Maria. Santa Maria. Ave Maria. Ave Maria. Italia-Argentina. Italia-Brasil. Italia-Polonia. Italia-Allemagne. On est champion du monde. Et béni soit notre Seigneur Paolo Rossi. Amen. Mais c'est pas de ma faute, merde. Il y a un mec qui casse-tu dans une boîte de nuit, on dit que c'est moi. Dilton est obligé de travailler ici pour payer l'hôtel. Hein? L'humiliation devant une femme du monde. Christine, le rêve de toute ma vie. Prosper, avec l'argent, on achète tous les rêves. Hein? Ne t'en fais pas, Prosper, viens. Je vais te trouver un autre milliardaire, moi. Allez. Non, c'est fini, moi je te supplie. Quoi? Bon, ben alors roule pas trop vite. Ah bon. Allez, Boulet, dai, va, tu nous as mis que sous des coups bidons. Va chercher les gonzesses tout seul. Mais vous faites le spectacle avec moi. Faire les clous au théâtre, c'est ça ton travail, Boulet, tire-toi. Eh oh, n'oublie pas, tu commences ce soir, hein. On n'est pas pressé, on commence demain soir, nous. Allez, c'est mieux que faire la salle, non. Boulet. Thank you.
avez été sérieux avec Christina, vous ne serez pas obligé de payer notre séjour sous les pointes. Oui, c'est ça. Et si Julia s'était pas plainte au directeur, ben nous, on aurait pu filer à l'anglaise comme prévu. Ça, c'est vrai aussi. Mais tu m'as giflé, hein, oh, salaud. C'est le poivron Rital. Prosper, pétard. Douville, Arfessaï. Passe. Laisse-les de Douville, Prosper. Tu es fichu. Toi, tu es fichu, moi. Aide-moi, Prosper. Pico, la police, les cheveux de Douville, ils sont là. L'histoire qu'il nous a racontée à Douville, ils sont là, ils sont là. Ah, qui c'est le boulet maintenant? C'est moi, Nico, c'est moi le boulet. Je suis le plus grand boulet du monde. Oui. Aide-moi à me sauver. Bon, d'accord. Allez, allez, tout le monde debout. La chanson de la fête. Zoum, 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 la la la, rikiki, la la la. Attache-moi. Oh, la la la, rikiki, la la la. Sauvez-vous, sauvez-vous, la derrière, il y a le trou. Sauvez-vous, sauvez-nous. Sauvez-nous, par derrière, il y a un trou. Zoum, 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 sauvez-nous. Les nazis, la police, c'est bon, hein, ils m'ont voulu que le KGB. Écoute, ça souffle, et ça suffit, hein. Prosper, je te jure, je suis innocent, hein. Attends, on va piquer cette camionnette. Non, non, ça, je veux plus avec toi, moi, c'est fini. Écoute, on a signé un contrat, hein. Alors tu me suis ou tu viens avec moi, t'as compris? Allez, viens. C'est Aldo, Aldo. Bonsoir, monsieur. Aldo! Comment ça va, hein? Comment ça va? Je suis pas lâché. Moi non plus, je suis pas lâché. C'est pas pour ça que je crie. Qu'est-ce que vous avez fait exactement? Aldo le gangster, il est parti vers le désert. J'ai vu Aldo s'enfuir avec notre camionnette. Il faut les suivre. Aidez-moi, je le nez. On a perdu le nord. Tu dois finir le cinquième plat, hein? Spécialité des chefs, Couscous Burger. C'est meilleur que fast-food, hein? Eh ben, dis donc, deux étrangers virils en plein désert, déguisés en titi, ça va rester toujours dans ma tête, hein? Il y a longtemps que j'ai pas rigolé comme ça, hein? Mes amis camarades socialistes, vous êtes très sympathétiques, hein? Tu seras toujours ici, bienvenu, hein? Merci. Tu seras toujours ici chez vous maintenant, hein? Tout ce qui c'est à vous, c'est à moi. C'était moi, c'est à vous. Tout ce qui c'est à moi, c'est à vous. Oui, ça nous, ça nous. Allez, ça nous. Et cette bambola frégale, c'est rien du tout. C'est de la... Si tu vois pas ma fille Zobida qui va danser pour vous autres. Elle est jolie. C'est le miel de mon couscous. Le public ici l'acclame nuit et jour. Zobida, Zobida, nous voulons Zobi. Encore des Zobi. Vous voulez Zobi? Oui, non, allez, Zobi. Non, ladies and gentlemen, voilà Zobida avec ses deux frangines. Deux produits de ma progéniture. Zobida! Zobida! Ah, la reine des folies berbères. Regarde que toi, hein, la grosse. Oui, la grosse, là, là. Non, 90 kilos. Non, c'est toi, c'est toi. Non, c'est pas moi. Et regarde que lui, n'est-ce pas, la grosse, monsieur chef? Prosper, t'as bien repéré la tente de Belle? Eh oui, je te dis, mais c'est celle d'en face, mais c'est dangereux, hein. Tu te rappelles ce qu'il a dit, le bédouin chef? C'est que c'est moi, c'est à vous. Oui, mais ça, c'est une image, ça, c'est pas... Non, Prosper, n'aie pas peur. Ces gens-là, ils ont qu'une parole. C'est pas comme nous. Viens.
On les tient, ils sont là, les belles. Oui, oui, les deux, viens, viens. Allez, tire, tire. Oh, putain, elles sont lourdes. Oh là là. Oh. Merde, c'est la grosse. Oh, oui. Merde, on tire de 40, on fume 90 kilos, là. Faisons semblant de ne pas la voir. Oh, merde, ils ne nous lâchent pas, hein. On ne la connaît pas, c'est tout. Débrouille-toi, hein, Prosper, c'est toi qui tu parles à l'arabe. Moi, je n'essaie d'être là derrière, t'as compris? Ça, elle a l'air de tenir à toi, hein. Non, mais franchement, ça va finir par un mariage, tout ça. Oui. Ah, je connais ces gens-là. L'honneur avant tout. Ou tu l'épouses ou ils te tuent. Ah oui. D'ailleurs, vous formez un beau couple. Oui, oui, je m'en fous. Bon, où c'est qu'on est, là? Non, tout droit, c'est l'horizon. L'horizon, il faut toujours suivre l'horizon. Ça, c'est la règle de la nature, tu vois. Où il va le compte sa mère, celui-là? À droite, là. Qu'est-ce que c'est? Mais où il va? Moi, si je vais là, tu vas là. C'est tout droit. Oui. Oui, c'est l'horizon. Tiens, fume, espèce de canasson policier. Dis-moi où il est parti, le traître. On devrait profiter de la tempête pour se débarrasser de la grosse. Prosper, raccroche-toi, il y a du vent. Prosper? Yeah. Ah, un mirage? Mirage? Oui! Mais c'est mon tutu! C'est le bédouin chef! Il nous lâche pas celui-là, la mort de ses os! Il y a une femme là. On sait jamais, elle a peut-être vu Aldo. Oui, je vais lui demander. Mon cher enfant, vous n'avez pas vu une aventure avec deux messieurs? Donnez un zébio. Don Eusebio, laissez ma jambe, enfin, c'est à moi. Don Eusebio, portez l'abricot, les boricots. Elle m'a giflé, donc c'est qu'il est passé par ici. Attention! Nous allons tourner la scène de l'attaque du fort par les Carthaginois. Alors les Carthaginois arrivent. Je veux le plus d'affolement possible. Et vous, là? Ça saigne, il faut allonger les talbins pour que ça saigne. Pas avec 200 balles par jour, ça va saigner beaucoup. Eh, tarif syndical, mon pote. Allez, 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 en place. Attention, va tourner. Jean-Paul, tes cavaliers sont prêts? Ça fait 4 heures qu'ils attendent. Yep. Alors, moteur. Annonce. La vie vous le commandez, c'est la première. Envoie les cavaliers. Attention, tu vas les avoir dans le dos. Les cons, je les ai même pas prévenus. Bravissime, Jumbo, allez, bravo. Merde, c'est même pas les nôtres. Prosper, les secrétaires derrière à distance. Mais qu'est-ce que c'est que ces figurants là? Mais sortez les morts! Arrêtez-les, arrêtez-les, c'est des sauvages! Hey, on connaît notre boulot, mon bat! Arrêtez-les! Bonne paire d'écoupées pour 25, hein. Pas déconner quand même.
Il faut rien. C'est mon secrétaire de mer qui l'a mordu de votre fille la grosse. Oh, oh, laisse-le pour moi. Je vais faire ça. Entraîner ce con! Attends, viens, sauve-toi! Arrêtez-le, arrêtez-le, c'est lui le coupable! Inspecteur Tétard! Oui. Il y a de la fumée à l'horizon! À l'horizon? Ouais. C'est où l'horizon? Là. Là! C'est curieux, inspecteur Tétard! Il n'y a pas de pétrole dans le coin! Alors! C'est ce maquereau qui a dû foutre la merde encore quelque part! Hein? Allez, on embarque! S'il vous plaît! S'il vous plaît! Monsieur le bédouin chef, vous allez me couper la tête, s'il vous plaît. Scott, quel monte. T'es quoi, je suis ma boule ou quoi? Ça fait 15 ans que j'achète un pigeon pour donner un coup de zoubi à mon dada pour faire avec ma fille Zoubida. Et maintenant que je t'ai trouvé, t'es quoi, je vais couper ta tête, y'a halouf. Je vais te mettre la corde au cou, oui, allez. Fils chéri. Que coral, ok, coral. Oh, oh, quel malheur. Quelle catastrophe, regardez ça. Mais le foie, mon vital. Arrêtez-le, arrêtez-le tout de suite. Arrêtez-le tout de suite. On y va. Voilà, de pays francophone. Ça vous arrête! Hey. Je suis innocent! Maman! Hey. Maman! Oh. Ah. Oh! Oh! Commissaire! Commissaire. Inspecteur! D'abord là-haut! Oui! Eh, mais grâce à toi, bientôt, je vais être commissaire! Appelez-moi à Paris! Le Paris! Je l'ai là, tous! Et on craint un peu vite les échelons. Je peux être ministre. Regarde Reagan. Oui. Qu'est-ce que c'était Reagan? Je sais. Un peu. Là-haut! C'était un petit acteur de western. Regarde où il en est déjà maintenant. Bientôt, il peut être pape. Paris au téléphone, Paris. Paris au téléphone. Paris. Ah, ici l'inspecteur Tétard. Hé ? Quoi ? Comment ? Qu'est-ce qu'il y a ? On a arrêté les vrais auteurs du hold-up de Versailles ? Mais c'est pas... Casa ! C'est un matin ? Ah bon, c'est bien alors ! Les pauvres Rital, comme vous dites, ils les connaissent même pas ! Alors il est libre! Aïe. Le parterre, il est plein de gifles, il n'y a qu'à se pécher pour en prendre! Monsieur Reagan, et les excuses! Oh, tirez l'oreille, policier! Il n'a pas pour 20 ans! C'est les excuses, monsieur le brigadier! Tout ça pour rien, à cause de ça! Aïe. Qu'est-ce que c'est ça? Eh ben voilà! Le meilleur esprit, monsieur Zucchi. À la prochaine, monsieur le ministre. Marco! Oh! Mon frère, le bon Dieu. Marco! Sauve-moi, Marco. Je suis innocent, Marco. Je suis libre. Mais si, maman. Mais oui, maman. Mais oui, j'ai sauvé, enfin, ton enfant, Aldo. Je t'ai arrangé, maman. Enfin, après mon intervention, il a fini pour comprendre, maman. Attends, maman. Don Eusebio, qu'est-ce qui se passe? Un sainte, maman! Un sainte, il est toujours comme ça, maman! Maman, excusez-moi, oui, je crois même qu'il a trouvé la foi, maman! Mais attention, hein, c'est un bon châssis, hein, parce qu'à moi, un 36, ça m'intéresse pas. Hein. Oh, mais c'est un bon 40, alors! Donc un 44, 46 italien! C'est ça, mais tout ça, c'est une question de classe mondiale, internationale, d'Alex! Ah bon? Comment vous avez fait cela? Ça? Mais c'est ma démarche. Demain. Aucun vin n'y résiste. Même les plus férouches. Est-ce que vous voulez que je vous montre? Oui. Ecco, voilà. La pâte aveugle, Don Mauricio. Le chef. Don Mauricio. Oui, chef. Vous avez pâte aveugle. Bon, ça fait rien. Je peux essayer, moi aussi. Mais bien sûr, Don Eusebio.
Pourquoi pas? Allez essayer. Oui. Et don Eusebio. Pas comme ça, on dirait un petit papapacal. Non, pas comme ça. Il faut se passer plus, il faut sourire plus. Eh, à vous, je vous gifle pas pourquoi vous êtes un ami de mon frère. Bon, allez, essayez encore. Mais la loi des seigneurs, il a encore gagné. Al de merveilleux, maman. Oui, attends, je te le passe. Je te le passe, ma chère maman. Aldo! Ah! Eusebio! Attends, maman, il arrive tout de suite, attends. Mais qu'est-ce que c'est ça? Mais qu'est-ce que c'est ça? Je ne peux plus les supporter. Je ne peux plus les supporter. Bien. L'unique chose que ça m'embête, c'est que je ne trouve pas l'argent pour m'acheter un bikini. Un bikini! Casanova, c'est démodé à cause des cheveux.